Juger au lit, c'est brutalité ou douceur? Brutalité. Je baise, je fais pas l'amour, j'aime pas. Je suis sadomasochiste. Qui ça? C'est quoi ton style de mec? Grande taille, tatouée. Plutôt mince. Grand ou noir, je gère les deux quand même. Bad boy. Bad boy. Oui. C'est quoi un bad boy? Mauvais garçon. Mauvais garçon. Mais il y a quoi dans bad boy? Tu mets quoi dans bad boy? Qui font pleurer, les mecs qui font pleurer les meufs, j'aime ça. Parce que j'aime pleurer, ouais. J'aime quand c'est difficile, j'aime quand ça fait mal. J'aime quand il y a toujours de l'attraction dans mon couple, genre, pourquoi tu me fais ça? Ah, non, des trucs comme ça, et pas trop responsable et... Pas être trop gentil. tu veux pas être trop gentil? Non, je veux pas. Je veux pas. Ok, et aujourd'hui, au lit, c'est brutalité ou douceur? Pardon? Aujourd'hui, au lit, c'est brutalité ou douceur? Brutalité, je baisse, je fais pas, j'aime pas. Je suis sadomasochiste. Ça veut dire quoi? Tu aimes la douleur? Oui, bon, sadique, c'est genre tu aimes faire la douleur à quelqu'un. Mais maintenant, maso, c'est quand tu aimes recevoir cette douleur, oui, et les deux, je suis les deux. Bon, maintenant, on ne comprend pas, parce que beaucoup d'hommes ne connaissent pas. Oui. On inflige une douleur à une femme comment? On le fait pendant l'acte. Et pour moi, oui. Tu peux m'attacher. J'autorise ça. Tu m'attaches, tu me serres le cou, tu peux même tordre ma main si tu veux, tu prends mon pied, tu accroches au mur, tu me casses comme ça là, ça me fait mal, mais c'est bon. Ce n'est pas bon. Tu peux mettre les pinces sur mes seins, tu appuies encore ça fait mal, non, j'aime ça. Et tu peux frapper fort aussi. Tu me gifles, ça me va. Tu peux avant même de me pénétrer, tu peux me taper. Mais j'aime ça. Tu aimes qui te violente pendant l'acte? Oui. Déjà, tu finis même de m'attacher. Après, tu me fouettes avec la ceinture. Je pleure, mais après, j'aime ça. Ça nous amène à réfléchir d'un autre sens. Caméraman, tu as ça. Elle dit que, elle veut le genre que tu la tapes, elle pleure et tu la formes bien. Tu peux faire ça. Donc, c'est ça, infliger la douleur à une femme. Oui. Arrêter les boules à pincer correctement. Oui, 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 oui. Arrête les fesses, t'as plus qu'à ça enregistre. Oui, j'aime ça. Les cheveux tirés. Oui, j'adore ça. J'adore ça. Oui. Tu m'appuies même la tête sur le contre le lit. Oui. Jusqu'à je ressens que j'ai mal. Oui. J'aime ça. Donc c'est ça, infliger la douleur. Mm-hmm. Et maintenant, infliger la douleur aux hommes, qu'est-ce que tu fais? Tu infliges souvent la douleur à l'homme comment? Lui, il n'aime pas. Oui, mais quand toi tu es dans la position où tu n'as plus la douleur d'un homme, tu n'as plus je comment? Parce que j'ai envie, je n'ai pas encore fait ça parce que les hommes sont trop mous comme ça, gori, ils sont trop mous. Ce que tu as envie, c'est d'infliger la douleur comment à un homme? Je t'attache déjà comme ça, avec les pieds ouverts et tu attaches ton pied. Oui. Ça va. Tu attaches ton kiki? Oui, j'attache ton pied. Non, dis kiki, pardon. Ok, j'attache son kiki. Oui. Désolé. Oui. J'attache son kiki, je bande sa bouche, je le tape. Oui. Tu le tapes? Oui. Je le tape, non. Et il est sous mes ordres. Déjà, je lui demande de faire quelque chose. Moi, il fait. Et pendant l'acte, quand c'est moi qui commande, il m'appelle maîtresse. Ok. Il t'appelle maîtresse? Oui, j'adore ça, promis. Non, c'est ça que tu as envie. Et oui, et je m'inspire aussi du film 365 jours. Oui. C'est trop mou. Si tu n'as pas encore vu ça, il faut regarder.